Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre deux métros, le nouveau monde. Au programme, nous revivrons la fabuleuse soirée que nous avons passée avec l'Orchestre d'Auvergne. Nous reviendrons sur la journée co-organisée par le Transfo et le Damier sur le thème musique et images. C'est-à-dire que j'appuie sur un bouton à partir du moment où je connais le budget que je vais avoir sur la production. Enfin, nous nous retrouverons dans un univers de Noël grâce à la coopérative de mai. Bienvenue dans le Nouveau Monde. Le Damier et le Transfo ont organisé aujourd'hui une rencontre sur le thème de la synchronisation musicale, donc musique et images. L'objectif pour nous, c'était à la fois dans un premier temps de valoriser les productions locales, que ce soit sur le volet musique ou sur le volet cinéma, donc de proposer des projections, des showcases, des concerts, mais également de faire un focus sur la dynamique qu'il existe en Auvergne sur le volet de l'édition musicale, à savoir de l'habillage musical de contenu audiovisuel. C'est important de faire vivre les enjeux culturels et les enjeux des artistes de nos régions à Paris dans un cadre qui est complètement nouveau pour la région Auvergne. On vient à Paris se présenter tel qu'on est. Il y a des territoires ou des régions qui ont des enjeux de communication qui sont des enjeux de communication décalés. Et nous, on est dans le contre-décalage, c'est-à-dire que pour nous, l'enjeu de notre communication à Paris, c'est de faire coller notre image à la réalité de notre région. Et donc, on a rassemblé là tout à l'heure une centaine de professionnels parisiens sur le thème de la synchro, hein, de la musique appliquée à l'image, avec un gros plateau avec des gens qui sont des professionnels très très convoités. Donc c'est une vraie réussite. Bon, déjà la démarche les a intéressés. L'idée qu'en Auvergne on soit aussi organisé, aussi structuré avec une grappe d'entreprises, avec une agence culturelle régionale, avec une région qui a compris et qui cherche à s'inscrire dans ces enjeux. Alors moi je viens de Bordeaux, la région Aquitaine. Je travaille au conseil régional de la région Aquitaine. On a du mal à faire travailler les gens du cinéma avec les gens de la musique. Et comme le thème de cette réunion c'était la filière musique et la filière image, c'était tout indiqué de venir ici. Et c'est très bien organisé, c'est super, c'est une super initiative.